Livre de Ben Sira le Sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à trois reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis, nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des bérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main toute. Ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons plus loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, 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 alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ce sentier, tout être vivant verra le salut des dieux. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, elle va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Habituellement,
tous les samedis, je ne prends pas beaucoup de paroles, juste pour la méditation, une ou des paroles de l'Évangile. D'aujourd'hui, pour méditer un peu plus dans notre cœur, cette parole de Dieu donnée par lui. Aujourd'hui, on regarde avec Marie cette annonce. Elle a connu bien cette annonce d'Élie. Élie qui va venir pour préparer le chemin du Seigneur. Selon l'Ancien Testament, Marie a bien connu ce mystère d'Élie. Nous, nous avons aussi besoin de ce mystère. Ça veut dire cette préparation, cette rôle, reconnaître dans le temps de l'Avent, le prophète Élie, qui doit venir pour nous annoncer « Seigneur, viens ». Par qui vient aujourd'hui chez nous? C'est qui pour nous aujourd'hui le prophète Élie dans notre vie?